Bienvenue en Islande, île de 103 000 km² pour seulement 300 000 habitants, dont plus de la moitié à Reykjavik, la capitale. Ça avant la première crise, il allait rester plusieurs années totalement inoccupé, c'était pour des bureaux. Et maintenant, ça y est. Les professions pour ce séjour sont embarquées pour parcourir cette terre désertique composée de glaciers et de volcans. Tu l'as pas mis derrière ? Pour commencer ce circuit, nous assistons à la dérive des continents séparant l'Amérique de l'Europe par une faille qui s'élargit de 2 cm par an jusqu'à devenir par endroits un boulevard. Et toujours de superbes cascades. Thank you.
alignement d'orgue basaltique sur une plage de sable noir. Bon, on va voir si on voit les macarons. Désert de lave basaltique recouvert de lichen. De chaque côté tout le long, donc moraine et là les deux langues glaciaires ont une moraine frontale, une moraine latérale commune, hein, la langue glaciaire de gauche et celle de droite est plus petite que celle de gauche, glace haut comme des immeubles, et donc c'est les morceaux de glace qui ont été projetés contre le pont et qui ont ça s'écroule. Et le guide disait c'est la terrible lave. Voilà, donc on a fait 250 km dans. C'était pas toujours comme ça, mais il y avait beaucoup de paysages de ce type. Moi j'ai aimé. Il y a 5 km par l'autre, on mène en 300 km. Et là il y en a un peu moins parce qu'on est parti tout au sud. Et là on fait du 60. Souris. Oui, mais je suis un peu inquiète pour ce qui va se passer après. Hein. J'ai peur. J'ai très très peur. Ça rassure. Ça fait 1 heure de cours, je me trouve dans le bazar.
C'est full clou là, c'est full clou, ça se coule. On va rien en plus. Là ça se couvre. Oula, qu'est-ce que ça fait? Toujours le désert de basalte où poussent malgré tout quelques fleurs. On se croirait presque dans le désert, dans les rochers de sable. C'est pas toi. Quand on est dans le désert. C'est pas... C'est à partir de cet endroit que la langue glaciaire se casse pour former les gros glaçons. Je pense qu'on pourrait aller en bas parce que quand on est près des icebergs, ils sont très beaux aussi de ce côté. C'est cassé. Qu'on tourne. Il est là. Oui, il est là. Alors du coup, on part direct par là, mais là, il y a trop de glace. Ah, il y en a beaucoup par rapport à... Quand c'est dans l'eau, c'est comme ça, transparent, très cristallin. Quand c'est hors de l'eau, c'est bleu, blanc, noir. Rouge. C'est bleu, blanc, noir. C'est une illusion d'optique, c'est-à-dire que la glace va absorber toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, sauf la couleur bleu. Bravo. Et vous représentez bien la France à l'étranger, ou la francophonie, je ne sais pas. Mais c'est aussi une question de taille, c'est-à-dire que quand c'est petit comme ça, il n'y a pas assez de densité pour refléter la lumière, comme un verre d'eau. Donc c'est-à-dire que plus ils sont grands, plus on voit la couleur bleue. Et comme vous l'avez dit, si justement, on peut aussi deviner lesquels se sont récemment retournés parce qu'ils sont plus bleus. Et après plusieurs jours, ils deviennent donc de plus en plus blancs. En raison. Non, et pas noir. Ça, le noir, c'est d'abord. Noir, c'est autre chose. Et blanc en raison de du soleil et de l'oxygène. Ils sont des bernaches. Bernaches, oui. Bernaches honnêtes.
C'est rare à voir. Vous avez vu, il y a un petit qui est tout vieux de gris. Il y en a plusieurs. Quelqu'un qui tient, regarde. Voilà, je suis parée. Levez la tête. L'Islande, dite terre d'eau et de feu, justifie bien cette formule.
Remote. Ušel trošku. V pohodě. Pojď, jak já si ještě každý počítám. 6 minut. Každý 6 minut. Tereky, jste má nás trochka, kard? No, Ben non, à chaque fois elle explose. Ah, un quart d'heure. Chute de Baudafont.
Et pour terminer, le célèbre lagon bleu, vanté dans toutes les brochures touristiques.